Ouais. Aujourd'hui, c'est samedi 19. Ouais, nous sommes en Kona. Un Donald plus un autre Donald, ça fait comme ça fait deux. Des Donos. J'ai dépêché un autre Donald depuis Bologne. Vous l'avez remarqué, hein. Là, il est en train de donner quelques conseils rapides. Le pâté, là, il a vu comment le gars était très performant. Il a d'abord dit que bon, il faut que je demande un peu les conseils. Comment on utilise l'appareil, cela. Donc, il est en train de donner des secrets, là. Il faut pas qu'il donne tous les secrets. Hein. Pas quand même qu'il donne tous les secrets. Ok, bon, on a sorti le matos. Il y a trop de soleil. Oh my god! Bene. Fini avec la partie 1. Attends, je mets un peu le diffuseur pour me couvrir. Ok. Fini avec la partie 1. Et bon, là maintenant, on va rentrer. On va se reposer. Pause à pranzo, on est en Italie. Comme de coutume ici en Italie, pause pranzo. Et puis, on va revenir pour l'église. Bon, avec coronavirus, les rues sont très classe. Ne force pas trop. Ah ouais, j'avoue, ouais. On complique pas. Distance sécurité. Toi, entre nous, il y a un mètre. C'est pas ça, ah ouais. Un peu. Ouais, ça vient un mètre. Un mètre. Il faut respecter. Et comme on a dit plus tôt, un Donald, plus un Donald, ça fait des Donos. Voilà, c'est bon. Et vous pouvez un peu imaginer ce genre de mélange-là, ce que ça peut produire. En tout cas, restez scotché, hein, vous allez voir les résultats. Et puis, on vous laisse apprécier. N'oubliez surtout pas de donner vos impressions et puis voilà, partagez quand c'est bien. Et quand il y a des erreurs, rapprochez-vous vers nous, apportez-nous vos critiques et puis ensemble on essaiera de voir comment faire pour vous satisfaire davantage. Bon, on vient finir l'église, dernière partie. Là maintenant, on est à l'endroit le plus fameux d'Ancona. Il passait tout. On va déchirer. Alors, les gars, là, on a fini avec la toute dernière séance de shooting. Et puis, c'était justement pour conclure la journée. Je vais vous avouer que ça n'a pas été du tout facile. Mon ami, un membre des Donos, peut confirmer parce que, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression de filmer un mariage chinois ou c'est votre intuition qui vous parle, qui vous dit, genre, fais attention, les mariés peuvent s'embrasser à tout moment. Fais attention pour apporter le gâteau à tout le monde parce que la langue qu'on parle justement, je n'ai aucune idée, je ne comprends rien du tout. Donc, comprenez que ce n'est pas toujours facile pour les photographes, surtout des mariages étrangers. Mais c'est pas un problème. Comme d'habitude, on rassure. Donc, alors, maintenant, il faut rester scotché et puis attendre le résultat et puis apporter surtout vos critiques. C'est le plus important. Disons qu'il y a des choses qui arrivent quand des personnes se rencontrent. Aujourd'hui, un mariage s'est passé parce que deux personnes se sont rencontrées. Mm-hmm. On a mis dans la boîte. Nous deux aussi, on s'est rencontrés quelque part. Exactement. J'ai porté les types aujourd'hui. Il y a peut-être 5 kilos de muscle. Il a compris un peu ce que ça fait de travailler avec du matériel. D'habitude, moi, il fait ça soft. Pour lui, c'est la brutalité. Moi, je suis un photographe soft. Quand on arrive sur le terrain, il ne faut pas blaguer. Il faut influencer. Bon, ouais, c'était bon, une très belle expérience. Et on attend les prochains mariés. Les gars, mariez-vous, s'il vous plaît. Mariez-vous, nous on veut travailler. Moi, j'aime voir les gens s'embrasser à l'église, j'aime voir les gens se marier, c'est une fierté. Non, un jour. Ouais. Ils sont quand t'es chercher. Toi aussi, vous te mariez. Ils sont quand t'es chercher la mariée. Je ne sais pas si en filmant, je veux comme ça, je vais tomber sur une fille au mariage. Non, là, qui va. Elle regarde. Okay. Là, voilà qui regarde. La jolie fille. Ouais. Elle attend maintenant que tu parles. Je suis en train de parler. Bon, comme on disait, un Donald plus un Donald, ça fait des Donos. On est ensemble. Merci.